Duc revient près de la ligne bleue, passe à gauche à Savoie. Il a de la place, avance devant ses déviés. Sur le poteau, le tir ensuite et c'est le but. 1-0 Rempart, mais je me demande si on n'ira pas à la reprise parce que lorsqu'on a logé la rondelle dans le filet, bien, il y avait un joueur des Remparts qui était déjà dans le filet. Donc, Maverick-Bourque et Pilon a gagné la mise en jeu. Tir de Savoie qui a été bloqué. Autre tir, celui-là stoppé par Coulombe. Saute sur la rondelle alors que Xavier Filion s'amenait pour le retour. Mais le gardien des Cataractes a eu le dernier. Bien aimé le travail à Tourigny là-dessus après l'arrêt de Coulombe. Il s'est assuré que le joueur des Remparts devant lui n'est pas... De l'adversaire laisse la rondelle dans le coin pour Bourgo. Revient à la droite, veut revenir devant. C'est dévié, mais Fabio Jacobo fait l'arrêt et arrête le jeu. 9 minutes 8 à écouler dans cette première période. Il a tenté de surprendre Jacobo entre les jambières après avoir fait le tour du filet. Mais ce n'est pas un tir très convaincant. Dans le coin, à l'aide gauche, est repris par les quatre. On remet derrière vers Villeneuve. Villeneuve se débarrasse d'un adversaire. Sort de l'arrière du but. Son tir bloqué par Jacobo. Et la meilleure chance de marquer des Cataractes depuis le début du match, Charles-Olivier Villeneuve vient de menacer le gardien des Remparts à courte distance, mais il a forcé le gardien à s'illustrer. Il a fait le même jeu. Tourigny, à droite, c'est à Bourgo. Bourgo à Dubé, sur réception, c'est capté par Jacobo. Sur réception, mais Dubé a un peu raté son lancer. Ça a facilité la vie au gardien des Remparts. Ah, effectivement, un tir papillon de Dubé. Il était quand même... À Tourigny, il s'avance. À droite, c'est pour Bourgo. Bourgo à Bourg, devant le filet, c'est dévié le but! Olivier Nadeau crée l'égalité sur une superbe séquence, là. On dit qu'un but est spectaculaire lorsqu'on peut dire tic-tac-toe. Cette fois-ci, on peut dire tic-tac-toe-toe. Trois passes en l'espace d'une seconde et demie peut-être qui met la table pour Olivier Nadeau, droitier, qui travaillait à bout de bras. Il tentait une longue passe vers Bourgo, c'est raté de passe vers le tir. Oh, quel arrêt d'Antoine Coulombe qui vient de frustrer. Le rapport son neutre est intercepté par Bourg, ça mène à l'aide droite dans le territoire adverse. Revient vers le centre, passe à Nadeau, tire le but! Olivier Nadeau, les gros canons des Cataractes, Claude, qui font sentir leur présence en deuxième période. Si le premier but avait été marqué, l'avantage numérique, celui-ci, c'est à 5 contre 5. Revirement de Komarov, c'est Bourque qui a récupéré cette rondelle en territoire central. Transition très rapide et Bourque a repéré Nadeau au haut d'enclave. Vers le capitaine Bourque. Bourque retourne la rondelle à Nadeau qui est toujours derrière le but. Il en va devant, c'est dévié. Et il lance la rondelle qui est sur la ligne. L'officiel est tout près. Il n'y a pas de but là-dessus, mais Nadeau est venu bien près de surprendre Fabio Jacobo. Si tu lances au filet, tout peut se produire. Oui, absolument. Nadeau, Claude a tenté de prendre par surprise Jacobo. Il était à 1 ou 2 cm d'y arriver. Ça revient dans le territoire des Remparts et d'une seule main, Bourgo qui a tenté de déjouer. Et ça va la passer de l'autre côté. Oh! Quel arrêt de Jacobo qui est venu voler Nadeau. Le jeu était parfait, mais Jacobo a eu le dernier mot. Mais quel arrêt! Oh oui! Sensationnel! Il est en territoire central, s'en va chez les Cataractes. Il va d'un tir bloqué par Coulombe. Le retour est Coulombe qui étire la jambière gauche. On passe dans l'enclave. Komarov qui a la rondelle. Il est à la droite par Villeneuve, mais l'attaque se poursuit par les Remparts. C'est Coulombe qui sort de l'arrière. Oh, et Antoine Coulombe qui vient de voler les joueurs des Remparts. L'action se gaucher dans le territoire des Cataractes. Revient vers le centre. La passe de tirer le but. Et c'est James Malatesta qui crée l'égalité 2 à 2. Oui, il a profité d'une très belle entrée de territoire de James, de Gaucher. Et Gaucher a repéré Malatesta au haut de l'enclave. Il dégaine sur réception. C'est 2-2. On a un nouveau match. Oui, et il restera 8 minutes 20 à la troisième période. Bourg, une rondelle bonne centre, il l'a maîtrisé. Passe près du Benado, envoie vers Bourgo. Tire, quel arrêt de Jacobo. Le retour devant Dubé qui est venu tenter sa chance. La rondelle qui est libre, dégagement des Remparts qu'on a réussi. Claude, la dernière chance de marquer, ben c'est les Remparts qui l'ont eu. Coulombe s'est interposé. Ça fait face à 22 lancés jusqu'à maintenant. Le gardien près de sa ligne bleue passe à gauche vers Dubé. Trois attaquants des Cataractes sur la patinoire. Dubé passe la rondelle à Bourgo dans l'enclave. Tire le but! Xavier Bourgo va chercher le but vainqueur, Claude. Un tir qui passe sous le bloqueur de Jacobo après un très bel échange entre lui, Dubé et Bourg. Vous avez bien compris, il y avait trois attaquants sur la glace pour les Cataractes. On avait laissé les défenseurs sur le banc. Et la stratégie de Daniel Renault qui paye. Les Cataractes vont chercher une très grosse victoire. Oui, une victoire amplement méritée par les Cataractes.